Allô, Kémarie. Allô, Eric Paris. Parle-moi de toi. Je m'appelle Kémarie, je suis danseuse contemporaine. Je collabore avec Eric depuis bientôt 2 ans. Je m'appelle Eric Paris, de Montréal. Je fais du light painting depuis 3 ans et je travaille principalement avec des danseurs, dont Kémarie, qui est exceptionnelle dans tous mes projets. On a été invités à ce festival-là en revenant de faire le tour du monde, puis on était vraiment wow parce qu'on avait une soif de repartir voyager, puis le Mexique, c'est un endroit que j'ai été plusieurs fois et que j'adore. Pour toi, ça va être la première fois. Oui. Depuis, on a pu expérimenter un petit peu avec l'espagnol en Bolivie. Ça va être intéressant parce qu'on va avoir beaucoup plus d'interactions avec les gens là-bas. Donc, vraiment content de recevoir cette invitation-là. Puis, bon, évidemment, j'ai voulu qu'on fasse une performance live avec ce qu'on était en train de faire, le projet sur lequel on travaille. Et puis, ça fait très bien avec notre environnement là-bas, la bioluminescence. Parce que quand on est revenu, justement à la fin de notre voyage autour du monde, on était justement déjà en train de chercher comment on pourrait transformer ça en performance live. Puis c'est pendant le voyage que cette idée-là a pris forme dans ta tête. Quand on est revenu puis qu'on a eu cette opportunité-là, on s'est dit que justement ça allait pouvoir être une première étape de recherche, d'expérimentation de tout ça. Mm-hmm. Je pense que ça va être une étape importante dans le processus de la création du show. Excellent, c'était ça. Le festival en lui-même est très, très axé sur le street art, l'art de rue. On va essayer aussi de s'intégrer à ça de différentes façons. Ça va être un petit peu d'improvisation rendue sur place. Toujours un lien à faire entre le light painting et le street art aussi. Ça va. Étant sur place, on ne va pas juste faire les performances, on va en profiter pour aussi faire des ateliers de light painting, montrer à des enfants comment on fait. Puis c'est toujours très, très intéressant de juste prendre une petite source de lumière, d'écrire son nom, de dessiner. C'est ça qui est le fun avec la light painting. C'est très, très créatif avec pas grand-chose, juste une lumière et puis on dessine. C'est en 3 dimensions, hein, beaucoup de possibilités. Muchas gracias por todo. Nos vemos al Bosch en avril.